Yeah, Dan l'initié. Hein? Je ne prétends pas tout savoir ni tout connaître, mais j'amène des faits avérés, man, qui font toujours l'objet d'enquête. Yeah. Y'a 5000 ans, Gilgamesh, roi des Sumériens, fait de l'Irak le berceau de la vie. Bâtisseur des premières cités, des premiers systèmes d'égouts, ils furent les premiers à cultiver. Pavés de pierre les routes, à l'origine du langage et des premiers écrits. Gravés sur plus de 22 000 tablettes d'argile, un leg de vérité, de savoir et de connaissance. On y relate Noé, le déluge et l'arche, ainsi qu'Adam et Ève et leur naissance. Époque mythique, structure mégalithique et phénomène céleste, géoglyphes, pyramides et sites astronomiques complexes. Comme Stonehenge, plus avancé sur bien des points, ils maîtrisaient l'astronomie mieux que la technologie de pointe. Leur histoire, gravée dans la pierre depuis des millénaires, leurs secrets, enfouis au fond des mers ou ensevelis sous terre. Leur mission, l'avènement de la conscience sur terre, l'évolution des âmes dans le temps, l'espace et la matière. La source de l'univers est éternelle et pure, pour chaque nouvelle âme qui naît s'élève une vie mature. Les forces qui nous entourent demeurent omniprésentes. Elles influencent nos choix, le cours des choses et nous indiquent les chemins à prendre. La source de l'univers est éternelle et pure, pour chaque nouvelle âme qui naît s'élève une vie mature. Les forces qui nous entourent demeurent omniprésentes. Elles influencent nos choix, le cours des choses et nous indiquent les chemins à prendre. Peuple des étoiles ou Anunnaki, ce qui signifie ceux qui sont venus du paradis. Toutes les cultures en parlent dans leurs légendes, appelés des dieux, des anges, des porteurs de messages, de lumière ou des maîtres de l'enseignement. Inca, Aztèques, des Mayas furent des peuples élus, recevoir la connaissance de l'univers pour la transmettre dans le futur. Ils furent un exemple pour l'humanité, une civilisation remplie de secrets, de sagesse, de richesse et de vérité. Mais l'homme est aveugle, imprévisible, inconscient, incapable de s'ouvrir l'esprit ou d'accepter que le monde change. Trop de moutons suivent la masse, c'est fou. Combien se laissent guider par les forces du mal, sont sans conscience et prêtes à tout. L'énergie négative se propage dans la couche astrale comme une traînée de poudre. Et d'elle-même, la sixième race de l'homme s'écroule. Pris à gorge, tu au style de vie qu'on mène. Oublie la corde, il faut qu'on se tienne, car nos enfants récolteront un jour ce qu'on sème. La source de l'univers est éternelle et pure, pour chaque nouvel homme qui naît s'élève une vieille mature. Les forces qui nous entourent demeurent omniprésentes. Elles influencent nos choix, le cours des choses et nous indiquent les chemins à prendre. La source de l'univers est éternelle et pure, pour chaque nouvel homme qui naît s'élève une vieille mature. Les forces qui nous entourent demeurent omniprésentes. Elles influencent nos choix, le cours des choses et nous indiquent les chemins à prendre. En vrai, ce texte peut te paraître banal, même fantastique. Ils diront que je m'invente une vie, que je suis fou et réaliste, que je suis sans bon sens dans les faits que je livre, que c'est le résultat d'un esprit tordu vivant dans son film. Je ne prétends pas tout savoir ni tout connaître. Comme toi, je me pose des questions sur l'origine de nos ancêtres. Viennent-ils d'ailleurs où Darwin est notre père? Sommes-nous les enfants de l'Égypte antique ou l'Atlantide est notre mère? Il y a tant de questions existentielles irrésolues, genre... Est-ce que nos âmes se réincarnent et évoluent? Je suis résolu à découvrir la vérité, man. Alors sur ce texte, j'ai jeté mon dévolu.